qu'il est à un mot. On va récupérer les gens devant. Ça marche. Elle était à l'abri pour l'instant. Garde visuel avec les plans, ma soeur Tiff, les doigts sur ta tête, garde un visuel. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de la gauche, ils sont arrêtés là. Lève pas ton canon. Les yeux sections pour changer le. Oui, on est bien seul, donc plus loin. Au plus loin, je suis obligé de placer Daou et encore Daou et. Vous avez une grenade ou pas? Non. Ok. Aujourd'hui, nous sommes à Rudja, donc au nord de l'Estonie, avec les EDL des troupes partenaires estoniennes. Et nous faisons un exercice spécifique sur le combat de tranchées. Alors, le combat de tranchées, c'est un combat qu'on voit réapparaître dans les conflits modernes aujourd'hui. Donc, c'est important pour les troupes partenaires de l'OTAN de travailler ensemble ce combat pour que chacun puisse apprendre des différents procédés que peut avoir chaque armée. Alors effectivement, donc dans un premier temps, ça permet de travailler ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc si un jour un conflit éclate contre l'OTAN, ça permettra pour les différentes troupes partenaires de travailler plus efficacement l'une avec l'autre. Et en plus de ça, sur les combats spécifiques comme le combat de tranchées, les différentes armées vont avoir différents retours d'expérience, différentes procédures qu'on va pouvoir partager et apprendre chacune les unes des autres.